Alors, Le poids de l'existence fait partie des premières chansons que j'ai écrites pour l'album. J'ai senti que le monde était en train de partir dans un truc que je n'avais pas imaginé. J'ai quand même la sensation, même si j'ai été élevée par des parents assez engagés, que je n'avais pas pris la mesure de ce vers quoi on va. Et qu'à un moment donné, il y a eu une bascule. J'avais accroché. Et pour moi, et ça c'est très intime, mais cette bascule est arrivée le 13 novembre, notamment au Bataclan, puisque mon chéri a fait ses classes, que c'est un peu sa maison, il est ingénieur du son, c'est comme ça qu'il a démarré. L'un de mes ingénieurs du son était là ce soir-là, enfin voilà, et puis d'autres personnes, et que c'est la musique, et que c'est le concert, et que c'est une salle magnifique, et que c'est une salle aujourd'hui pleine de résilience, mais à l'époque c'est une salle de fête, voilà, tout simplement, point. Qui semblait éternel. Les enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Et puis le poids de l'existence, c'est pour moi, c'est plus comme le poids de l'âme, c'est plus comme les 21 grammes, cette fameuse chose qui est la, le sucre, notre essence, et qui est si fragile, si délicate qu'on peut la battre comme ça. C'est ça aussi que j'essaie de dire dans cette chanson, c'est que peut-être cette légèreté perdue, c'est aussi une beauté à retrouver. Nos corps alanguis, jouissant de la douceur d'une soirée de novembre, mais comme une robe d'été.